Shalom, shalom, paix et joie du Christ bien-aimé. Je te souhaite un bon réveil dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te souhaite la paix du cœur, je te souhaite la paix dans tous les domaines de ta vie. Je te souhaite la paix dans ton foyer, dans ta famille. Je te souhaite la paix dans tes affaires, dans tout ce que tu touches en ce matin. Alors je te souhaite aussi un excellent dimanche, une bonne célébration eucharistique. Et que la paix du Seigneur remplisse davantage ta vie et ton cœur au nom de Jésus. Alors en ce matin, le psaume que nous allons écouter est le psaume 103 qui dit « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Car il pardonne toutes tes offenses, il te guérit de toute maladie, il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Alléluia. Alors nous allons bénir notre Dieu, nous allons lui rendre grâce, nous allons le remercier pour tout ce qu'il est en train de faire, pour sa main puissante sur nos vies, sur tout ce qu'il est en train de décanter dans ta vie, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu ne vois pas, mais il est là présent. Alors ouvre ta bouche et bénis-le en ce matin. Prends ce cantique de louange et bénis ton Dieu. Comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Alors oblige ton âme, même dans les difficultés et dans l'épreuve, à bénir ton Dieu. À bénir ce Dieu qui est magnifique et merveilleux. Et il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Je bénirai l'Éternel. Oh, no.
va continuer de te faire du bien durant toute cette journée. Il va continuer de te faire du bien dans ce qui te tourmente, dans ce qui te trouble, dans ce qui te fait mal, peut-être dans ton cœur ou dans ton corps, mais il va te faire du bien. C'est certain, c'est sûr, il va te faire du bien, mon frère, ma sœur. Aie confiance en Dieu, appuie-toi sur lui. Et je te souhaite une excellente journée, un très bon dimanche dans la présence de Dieu, et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.